Bienvenue à ce nouveau flash d'information. La première dame de la République d'Haïti, dans une note pour la presse rendue publique, fait qu'on ait une cité qui a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le peuple haïtien pour ses messages de compassion et de solidarité envers la famille suite à l'assassinat du président de la République, son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, en sa résidence privée dans la nuit du 6 au 7 juillet écoulé. Elle est très touchée par toutes les marques de sympathie témoignées à son égard. Puis devant, le bureau de la première dame de la République en profite pour informer le public que la famille présidentielle souhaitait prendre à sa seule charge les dépenses liées aux funérailles du président de la République. L'IPA entend bénéficier de aucun support financier du trésor public. Cependant, cette décision n'enlève en rien le caractère officiel et national de ces funérailles auxquelles le président Jovenel Moïse a droit dans le respect, la solennité et la dignité attachées à son rang de chef d'État. La première dame de la République a remercié autorités nationales et internationales qui rendent un vibrant hommage au président Jovenel Moïse. Li invité yo arrêté en union de prière le jour des funérailles pour accompagner le président Moïse en sa dernière demeure. En cette période sombre de notre histoire, poursuit la première dame, li renouveler ses vœux de courage au peuple haïtien tout entier et s'associe à vos prières pour que la paix et la justice capable régner dans le pays d'Haïti. Fin de citation. C'est hélas, amis téléspectateurs, un communiqué rendu public par le bureau de la première dame de la République qui, en gros, fait songer que yo pas souhaité recevoir aucun argent puis yo capable financer les funérailles du chef de l'État haïtien, la famille Moïse, tenu à ce que li capable faire des pensions pour compte koyo, yo pas besoin support financier du trésor public. Ici Jude Onstré, non pas M. Roupi, pour RPTV Network. Stanley David, Insurance Broker, t'as aimé faire songer que le pari pour l'aider au prendre décision pour une meilleure gestion de votre vie financière? Relais 781-392-1745 pour Life Insurance, Long Term Care Insurance, Annuities ou bien serrer l'argent pour accomplir rêvez-vous. 781-392-1745, relais Stanley David, Insurance Broker ou bien visitez-le online dans stanleydavid.net. Sauti dans serrer l'argent pour collège Petitou en passant par Tax Free Retirement Planification, gardez-nous, contactez Stanley David Insurance Broker dans 781-392-1745. Explication détaillée sous plan qui est plus bon pour vous. Stanley David Insurance Broker qui a un horaire flexible. Stanley David Insurance Broker qui a accès à plus de 200 compagnies d'assurance ou qui a choisi plan assurance qui est plus bon pour vous. 781-392-1745, stanleydavid.net, c'est ça net.